Alors, ce qui va changer, c'est que déjà, nous aurons des locaux tout à fait neufs, des locaux donc, qui seront vraiment... Merci d'être là. Donc, j'ai appris de la mesure, nous pouvons faire ensemble. Donc, nous avons eu plusieurs projets pour les sociétés et nous avons choisi celui qui nous paraissait plus adapté à nouvelles technologies. Mais surtout, nous sommes en train aussi de penser à reprendre le fonctionnement de l'UGA3. Donc, nous avons demandé à ce que je parle temps, le premier bâtiment qu'on a suggéré de fonctionner de manière à gagner tout le monde pour pouvoir aussi réaménager ce carrefour qui est de montagne par ensuite pour le laisser. Donc, moi je suis là pour vous dire pouvoir en rendre, monsieur le professeur, et vous laisser suivre la parole et je voilà, donc les autres, donc la parole scolaire des lycées Chevalier Saint-Georges, mesdames et messieurs, un programme d'égalité. Enfin serait-on en déplaisir. En effet, la reconstruction de ce lycée était sur toutes les lames depuis des années. Et mes prédécesseurs ont certainement pensé que pendant leurs années de direction, ils verraient donc le début de ces travaux. Et quand je suis arrivé à la direction de ce lycée en septembre 2022, j'ai souvent entendu le scepticisme, l'incrédulité de beaucoup de membres de la communauté éducative, scolaire, quant à l'effectivité de cette réalisation. Mais souvent, en tant qu'éducateur, nous disons à nos élèves que les choses ne se font pas simplement avec un claquement de doigts et que quelquefois, il faut prendre le temps d'une décision pensée, réfléchie et adaptée. Et c'est le cas car la collectivité régionale a pris le temps de la bonne décision, des bons choix, obligés aussi par certaines contraintes que nous, observateurs, ne maîtrisons pas. Et puis, comme on le dit souvent, il ne faut donner de la même contrariété, car si le lycée Chevalier Saint-Georges avait été reconstruit bien avant, il ne répondrait pas aujourd'hui à un certain nombre de normes nouvelles, mais également aux exigences des mouvements liées aux nouvelles formations enseignées. Oui, c'est effectivement un très beau projet. C'est un projet qui répond actuellement à toutes les normes environnementales, mais également donc qui répond parfaitement aux formations que nous assurons ici dans ce lycée. Alors, ce qui va changer, c'est que déjà nous aurons des locaux tout à fait neufs, des locaux donc qui seront vraiment adaptés aux normes actuelles de sécurité, mais également nous avons de nouvelles formations dans cet établissement. Et pour l'instant, donc, nous n'arrivons pas à assurer forcément tous les enseignements avec tout le matériel nécessaire. Ce nouveau lycée, avec les nouveaux locaux, donc, vont permettre d'assurer donc, ces formations de qualité, nouveaux locaux, nouveaux ateliers, avec notamment donc, des outils nouveaux. Voilà, donc les travaux vont commencer normalement au mois de juillet, avec différentes phases. L'ensemble des travaux est prévu sur une durée de 5 années. Donc normalement en 2029, le lycée totalement construit, refait, devrait être livré. Alors la première phase est prévue jusqu'à mars 2026. Donc mars 2026, on aura donc les premiers locaux qui vont être livrés.